Nous avons un seul objectif à atteindre ensemble. Il s'agit de vous permettre d'établir la corrélation entre ce qui va se passer à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, et l'avènement de la philosophie des Lumières. Autrement dit, nous allons voir entre 1685 et 1715, vraiment période fatidique pour ce cours, et ce qui s'est passé dans cette période va préparer l'avènement de nouvelles idées de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Pour atteindre cet objectif, nous avons trois points à traiter. À part l'introduction, il y a un premier point, les récits de voyage. Nous allons voir en quoi les récits de voyage qui vont être publiés au cours de cette période, 1685-1715, vont permettre l'émergence de nouvelles idées et par là même la préparation de l'avènement de la philosophie des Lumières. Deuxième point, la critique des livres sacrés. Nous allons voir qu'il va y avoir un mouvement d'un certain nombre de penseurs, principalement Spinoza et Richard Simon. Ces auteurs vont remettre en question la véracité des livres sacrés ou de ce qu'on appelle la révélation. Et en quoi leurs écrits vont préparer le terrain au scepticisme, à la remise en question de la philosophie des Lumières. Et le troisième point, c'est les écrits philosophiques, principalement de certains auteurs anglais, d'autres français. Ces écrits vont contenir un certain nombre de germes en termes de pensée, et ces germes vont être semés au courant de ces dernières années du XVIIe siècle et qui vont pousser jusqu'à ce qu'elles vont prendre de l'ampleur et avoir plus de profondeur grâce aux écrits des philosophes des Lumières. Commençons par l'introduction. Alors, l'introduction va nous rappeler un élément essentiel que nous avons traité à la séance 2, à savoir la périodisation du XVIIIe siècle. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les historiens habituellement prennent la date 1715 comme date qui marque la fin du XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Pourquoi? C'est une date où il y a eu la mort de Louis XIV. Et pour eux, c'est la fin de toute une époque, la fin d'un règne, et pour eux, ça doit être la date fatidique, la date importante qui nous permet de passer d'un siècle à l'autre. Par contre, les historiens des idées, les historiens de la littérature, proposent une autre date qui n'a rien à voir avec le domaine politique. Une date qui a beaucoup plus de signification, de sens dans le domaine des idées et domaine de la littérature. Il propose 1685. Pourquoi? Parce qu'autour de cette date, on va voir un certain nombre d'événements majeurs qui vont préparer la venue du XVIIIe siècle. Commençons par la fin de la querelle des anciens et des modernes. Et comme vous le savez, c'est une querelle importante qui pose la question, doit-on imiter les anciens? L'Antiquité, les Grecs et les Romains, ou doit-on proposer une nouvelle façon d'écrire, de produire? Doit-on tout simplement copier ou doit-on faire confiance à l'innovation, à la créativité des contemporains? Bien entendu, l'histoire a donné raison aux contemporains au détriment des anciens. 1685, c'est également la date où Louis XIV a révoqué, a annulé l'édit de Nantes. Cette loi, promulguée par Henri IV un siècle auparavant, qui consistait à permettre aux protestants de vivre en paix avec les catholiques. Louis XIV, qui devient de plus en plus dévot, va tout simplement annuler cette loi. Et c'est ce qui va pousser les protestants à fuir la France pour s'installer dans les pays limitrophes, la Hollande, la Suisse. Et cet exode va appauvrir la France, parce qu'ils vont partir avec leur fortune, va appauvrir certains domaines tels que l'édition, le domaine de l'édition. Il va
créer une image très négative auprès des voisins de la France, et les protestants qui vont migrer vers les pays limitrophes vont devenir une force d'opposition vis-à-vis de la politique de Louis XIV. Alors cette deuxième indication nous montre clairement que 1685 a plus de signification. Mais le plus important dans le cadre de cette séance, c'est que 1685 jusqu'à 1715, nous allons assister à la publication d'un certain nombre d'écrits philosophiques majeurs, importants dans l'histoire de la pensée humaine. Ce sont des écrits qu'on va trouver en Angleterre, en France, qui relèvent tantôt du domaine de la philosophie, tantôt du domaine de la politique, et qui vont proposer de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. Ces nouvelles idées vont germer, et on va retrouver quelques décennies plus tard, récupérées par les fils de lumière, et ces mêmes idées vont être à la base de la Révolution française. Et ce sont ces idées que nous allons voir aujourd'hui. Alors nous allons passer maintenant au premier point de cette séance numéro 5. Alors là, je défile un petit peu ce que je viens les points que je viens de traiter. Et là, je vais passer au premier point, à savoir les récits de voyage. Alors, vous savez que les premiers voyages ont eu lieu à la fin du XVe siècle, grâce aux Espagnols et aux Portugais. Autrement dit, à la fin du XVIe siècle, pratiquement la plupart des nouveaux continents, des nouveaux pays, étaient déjà faits. Il n'y avait pas grand-chose à découvrir au XVIIe siècle, et surtout en cette fin du XVIIe siècle. Mais qu'est-ce qui est intéressant à la fin du XVIIe siècle? Qu'est-ce qui va arriver? Bon nombre d'écrivains vont prendre les bateaux pour aller découvrir à leur tour ces nouveaux pays, l'Amérique centrale, l'Inde, la Chine, la Perse. Et ces écrivains qui vont partir découvrir à leur tour ces pays vont revenir avec des récits. Autrement dit, ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Ce qui est intéressant, c'est que ces ouvrages ou ces récits de voyage vont avoir beaucoup de succès. À titre d'exemple, Journal du voyage du chevalier de Chardin en Perse, en 86, Cérémonie de la Chine de Lecomte, Dialogue avec un sauvage du baron de Larontan en 1703, La vie de Mahomet de Bougainville, 1730. Ce sont des ouvrages qui vont nous raconter un petit peu les découvertes faites par ces auteurs. Mais là où ça devient intéressant pour nous qui faisons l'histoire des idées, l'histoire littéraire, c'est que ces voyageurs vont tout simplement comparer ce qu'ils ont vu et vécu avec leur civilisation, leurs mœurs, leur société d'origine, à savoir la France. Et ces auteurs vont tout simplement poser des questions qui vont être des questions de remise en question, en quelque sorte. Autrement dit, on va poser des questions à la limite existentielles et qui vont mettre à plat toutes les idées reçues, tous les préjugés. Première idée reçue qui va être remise en question, ces pays ne sont pas des pays sauvages comme on le croyait à l'époque. Ce sont des pays qui ont une civilisation, qui ont des lois. Autrement dit, l'autre n'est pas sauvage. Au contraire, il est civilisé. Et là, ces auteurs viennent de balayer une idée, un stéréotype qui était très ancré dans la mentalité française de l'époque. Et là, regardez, Jean Chardin écrit en 1686, « Un pays que nous pouvons appeler un autre monde, soit par la distance des lieux, soit par la différence des mœurs et des maximes. » Ce qui fait la différence est là, mais ce qui est intéressant, vous allez voir, cette différence n'est pas à l'avantage
de la France et des Français de l'époque. Au contraire, c'était à l'avantage de ces pays nouvellement découverts. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça ne va pas toucher simplement les mœurs ou les pratiques sociales, mais ça va toucher également les croyances. Et on va commencer par le premier point majeur, à savoir la religion. Ces rites de voyage vont tout simplement apporter au lecteur une idée simple. Comment ça se fait que ces pays qui ne croient ni à notre Dieu, ni à notre religion, à savoir la religion chrétienne, ils n'ont ni Bible, ni ouvrage sacré ou livre sacré, et ces peuples, malgré tout ça, sont civilisés, ils connaissent la vertu, c'est-à-dire ils distinguent le bien du mal. Autrement dit, les Français, ils ont toujours cru que distinguer le bien du mal, le fait d'avoir une morale, ça se reposait sur la religion. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a que ces peuples qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas connu ni Jésus ni la Bible, distinguent entre le bien et le mal, de la même manière que les Français. Et là, première question majeure qui va être vraiment, qui va poser les prémices de cette crise de la conscience en France, est-ce qu'il y a une relation entre la morale et la religion? Est-ce que la morale est conditionnée par la religion? Une deuxième idée va émerger, c'est que ces pays qui sont privés de la révélation, qui n'ont pas connu le livre sacré, qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas d'église, comment ça se fait qu'ils ont commodité, abondance, pratique des arts nécessaires, études, tranquillité et sûreté, comme écrit Bougainville dans son livre « La vie de Mahomet » 1730. Comment ça se fait que ces pays n'ont pas de religion, mais malgré ça, ils ont une certaine commodité, une certaine tranquillité, une certaine sérénité dans la vie? Et là aussi, deuxième idée qui va se poser, à quoi sert la religion? Et enfin, on peut dire que ces récits de voyage vont proposer, ou plutôt vont pousser les Français à se poser la question, y a-t-il une relation entre la religion et la morale? Peut-on vivre sans religion? Et ce sont deux idées pernicieuses à l'époque qui vont faire leur chemin pour préparer le scepticisme du XVIIIe siècle. Nous allons passer maintenant à une deuxième conséquence majeure de ces récits. C'est que pendant des siècles, et surtout après la Renaissance, après la découverte des Français de la civilisation gréco-romaine, qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont croire que la référence de la civilisation humaine et a débuté avec la civilisation grecque et la civilisation romaine. Pour les Français, c'est, je dirais, l'idéal, que ce soit au niveau de la littérature, à travers la tragédie, que ce soit au niveau de la peinture, la sculpture. Et pour eux, la civilisation a débuté avec les Grecs. Mais avec ces récits de voyage, qu'est-ce que les Français vont découvrir? C'est qu'il y a des pays lointains qui ont une civilisation beaucoup plus ancienne. Et ces civilisations sont plus grandioses, plus impressionnantes. Et là, c'est la deuxième conséquence majeure de ces récits, c'est ce qu'on appelle l'éclatement spatial. Il y a d'autres pays. Il n'y a pas que l'Europe. L'Europe n'est pas le centre du monde. L'Europe n'est pas seule, il y a d'autres civilisations dans des contrées lointaines et qui ont un savoir-faire, que ce soit sur le plan du commerce, que ce soit sur le plan des arts, que ce soit sur le plan de l'industrie et du savoir-vivre, qui peuvent égaler, sinon surpasser, la civilisation européenne. La troisième conséquence, c'est l'éclatement temporel. Ça veut dire quoi? C'est que la civilisation n'a pas commencé
avec les Grecs, mais elle a commencé bien avant, quelques milliers d'années avant l'avènement de la civilisation grecque. Et là, bien sûr, on pense à la civilisation chinoise, indienne et perse. Deuxième point maintenant qu'on va voir, et qui va être à la base de cette crise de la conscience, c'est la critique des livres sacrés. Et là, il y a deux auteurs sur lesquels nous devons nous attarder et qui ont révolutionné un peu la théologie, la lecture de la Bible. Commençons par Spinoza. Spinoza va critiquer l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Torah. C'est un philosophe juif, hollandais. Il va tout simplement faire un travail minutieux. Il va prendre l'Ancien Testament, il va le lire, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue sémantique, il va trouver quoi? Des amalgames et des contresens, ce qui prouve que ce texte n'a pas été écrit par un seul auteur et n'a pas été écrit durant la même période. Et là, il va remettre en question la véracité, l'authenticité de ce texte sacré. Et qui dit remettre en question la véracité et l'authenticité de ce texte sacré, c'est tout simplement remettre en question le fondement de la religion juive. Cette remise en question de la religion juive, c'est une remise en question de la religion chrétienne. Et le flambeau va être pris par un autre auteur, celui-là, chrétien, c'est Richard Simon, qui va, lui, s'intéresser au Nouveau Testament, ou la Bible. Il va procéder de la même manière. Lecture minutieuse, travail de linguiste, travail sur la sémantique, sur la syntaxe. Et qu'est-ce qu'il va relever? Il va relever un certain nombre d'anachronismes, de contradictions, de contresens. Et il va prouver que ce texte a été écrit sur plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Et par là même, il a été écrit par des êtres humains. Ce n'est pas un texte qui a été rassemblé directement par les apôtres et qui étaient en contact avec Jésus et qui ont été imprégnés par la parole de Jésus. Et là aussi, remettre en question le Nouveau Testament, c'est remettre en question tout simplement les fondements de la religion chrétienne. Alors vous voyez, ces deux travaux vont ébranler cet édifice qu'on appelle la religion juive et chrétienne, et ils vont pousser les Français qui ont lu ces ouvrages à l'époque à un certain doute. Et ce doute va être repris par d'autres philosophes au XVIIIe siècle pour détruire la sacralité de la religion. Maintenant, là je vous laisse lire, si vous le permettez, un peu l'idée principale de Richard Simon, qui va être reprise par Lahontan, qui fait dire à son personnage, le fameux Adario, l'Indien Huron, « Comment veux-tu que je croie à la sincérité de ces Bibles écrites depuis tant de siècles, traduites de plusieurs langues par des ignorants, augmentées ou diminuées des paroles qui s'y trouvent aujourd'hui ?» Voyez, comment voulez-vous que je croie à ces Bibles qui ont été un petit peu écrites par la main de l'homme? Les écrits philosophiques maintenant. Là, on va voir le troisième point, c'est que certains écrivains, surtout français, vont préparer le terrain aux philosophes des Lumières. Et là, je vous propose deux philosophes qui sont la référence dans la matière. Je commence par Bayle. Bayle, il va écrire beaucoup d'ouvrages, mais là, j'ai sélectionné pour vous l'ouvrage le plus important. C'est « Penser sur la comète ». Dans cet ouvrage, il part d'un principe simple, d'une idée simple. Il y avait une comète qui tombe, à l'époque c'est une sorte d'astéroïde, et quand il tombe, à l'époque tout le monde croyait que c'était un signe de punition de Dieu. Comme quoi, Dieu, en voulant punir les péchés des fidèles, il leur envoie un signal fort, à savoir la comète.
Alors, qu'est-ce qu'il fait Bayle? Bayle va essayer d'expliquer ce phénomène naturel par des causes purement physiques pour rassurer les gens comme quoi la comète est un phénomène qu'on peut expliquer et qu'il ne faut pas craindre. Et dans cet ouvrage, Bayle va proposer d'autres idées qu'on va retrouver plus tard dans les séances à venir et qui vont être reprises par les fils de lumière, à savoir la raison, la tolérance, la morale sociale, comme quoi la morale ne s'inspire pas de la religion, mais de la pratique sociale des humains. Le deuxième auteur que je vous propose, c'est, alors là je vous laisse lire rapidement d'autres idées de Bayle, dans son dictionnaire historique et critique. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la morale ne vient pas de la religion, elle vient de la pratique sociale, et là il en parle dans son ouvrage dictionnaire historique et critique, en 97, comme quoi les hommes de l'Antiquité qui étaient païens, malgré le fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient vertueux. Et enfin, il parle dans son commentaire philosophique en 86 sur la tolérance qui doit régner entre les êtres humains. Deuxième auteur, c'est Fontenelle. Fontenelle, il est poète, historien, philosophe, critique. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la vulgarisation scientifique. Autrement dit, il voulait faire en sorte que les découvertes scientifiques et la science devaient être vulgarisées de façon à ce qu'elles puissent être transmises au grand public. Et c'est quelqu'un qui a préparé l'état d'esprit des encyclopédistes, à savoir écrire un dictionnaire raisonné pour vulgariser les découvertes et les idées nouvelles. Et cette approche, bien sûr, c'est pour détruire les superstitions qui régnaient à l'époque. Parmi les idées majeures de Bayle, et on les retrouve dans son dictionnaire historique et critique, il pose cette question: est-ce que la morale a une relation de cause à effet avec la religion? Et là, pour dire que la morale n'a pas de relation avec la religion, qu'on peut vivre sans religion, et tout en ayant une morale, c'est-à-dire une capacité de distinguer entre le bien et le mal. Preuve à l'appui, il revient à l'Antiquité, période où il y a la civilisation grecque et romaine, qui ont atteint le sommet du savoir-vivre, que ce soit au niveau des lettres et des arts ou de la démocratie. Mais cette période de l'Antiquité, les Grecs et les Romains étaient païens, ne connaissaient pas Dieu, ne reconnaissaient pas la révélation. Mais malgré ça, ils avaient une civilisation et ils avaient bien sûr cette capacité de distinguer entre le bien et le mal, ce qu'on appelle un petit peu la morale. Deuxième idée, c'est que Bayle propose à l'être humain d'être plus tolérant. Autrement dit, il n'y a pas une religion supérieure à une autre du moment que les religions proposent une morale, c'est-à-dire une vertu. Et là, on trouve cette idée dans le commentaire philosophique de 1686. Le deuxième auteur que nous allons proposer, c'est Fontenelle. Fontenelle, c'est quelqu'un de très prolifique. Poète, historien, philosophe, critique. Il a apporté beaucoup à la littérature française et à la pensée philosophique française. Mais là où il était très fort et il s'est distingué par rapport aux autres auteurs, c'est sa capacité à vulgariser la science. Il a été habité par cette mission de pouvoir simplifier les découvertes scientifiques, les grands principes de la science, pour le lecteur moyen. Et cette approche de vulgarisation de la science, on va la retrouver un peu plus tard, quelques décennies plus tard, chez les encyclopédistes. C'est quoi la mission des encyclopédistes? C'est faire en sorte de rapprocher les grandes idées, rapprocher les découvertes pour le lecteur moyen. Et bien sûr, tout ça, c'est pour un objectif majeur, c'est faire remplacer les superstitions, les dogmes, les croyances, les stéréotypes, les idées reçues, les préjugés, tout ça doit être balayé pour qu'il soit remplacé par des idées rationnelles, par des vérités scientifiques. Et Fontenelle, en quelque sorte, était l'ancêtre de l'esprit encyclopédiste. Maintenant, on arrive à la conclusion.
Nous avons vu que la période 1685-1715 est une période très riche. Pourquoi? Parce qu'elle a été prolifique en termes d'écrits philosophiques portant de nouvelles idées, à savoir la remise en question de la religion, la remise en question de rapports entre la religion et la morale. Mais en même temps, c'est une période qui a été marquée par la publication des récits de voyage, récits qui vont apporter une nouvelle vision sur les pays lointains découverts, mais en même temps, de nouvelles questions sur les croyances des Européens et des Français en particulier, à savoir l'utilité de la religion, l'utilité de l'Église. Dans cette même période ou cette époque, on va voir l'émergence d'un esprit critique vis-à-vis de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et cette critique portée par deux auteurs majeurs, à savoir Spinoza et Simon, vont être une remise en question de la religion, de la révélation, de l'Église. Et cette remise en question va saper les fondements des croyances chez les Français. Ces éléments, conjugués à certains autres qu'on va voir à la séance 6, vont créer ce qu'on appelle la crise de la conscience, chez les Européens, chez les Français en particulier. Autrement dit, tous ces éléments combinés, découvertes scientifiques, écrits philosophiques, remise en question des livres sacrés, vont pousser les Français à se poser des questions, mais sans trouver de réponse. Pourquoi? Parce que leurs référents, et là je parle des Français, pas tous les Français, je parle des Français qui étaient instruits, qui étaient capables de lire, et qui étaient aptes à lire ces publications philosophiques de l'époque. Ce qui fait les Français vont avoir à se poser des questions, à se remettre en question, sans trouver de réponse dans le référent habituel, à savoir la religion. Je tiens à vous remercier pour votre attention, et on se retrouve à la séance 6.